Salut à tous, c'est Falcor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA V. On va s'attaquer aux courses nautiques qui doivent être faites pour le 100%, il n'y a pas le choix. Il n'y en a que 4, si je dis pas de bêtises, voilà. Il y en a 4 à faire. La première, c'est Côte Est, qui est là. Voilà, on peut pas se tromper, hein, elle est là. Je sais pas si les premières... Ouais, les premières sont déjà visibles. Mais voilà, je suis l'ordre que me donne le guide officiel. Comme ça, bah, je m'y retrouve. Et puis, c'est comme ça. Allez, donc faut monter sur le Sea Shark pour démarrer la course. J'ai que 3 concurrents, visiblement. Il semblait qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Ah oui, il y en a beaucoup plus. Je veux pas de radio. Alors est-ce que... La compétence spéciale de Franklin ne marche pas. Je suis sur un véhicule nautique. C'est intéressant ça. Par contre, j'aimerais bien que tu tournes, mec. Voilà. Le mec, il s'est vautré. Ça tourne vraiment pas bien ces saloperies. J'aime pas ça, moi. Pas mal là. Ok, ok. Le jeu a une certaine tolérance, visiblement. Ah ah, on arrive au bout. Bon, c'est du tout cuit. Ça demande plus de concentration, dès qu'on sait qu'on n'a pas accès à la compétence spéciale, évidemment. Mais alors ouais, le fait de faire pouvoir tomber quelqu'un, c'est rigolo. Aucun problème. Eh bien voilà, écoutez. Classement en ligne. Non, on s'en fout de ça. Bah, décidément. Enfin bref. Non mais qui... Mais qu'est-ce qui vous arrive, enfin? Ils tiennent pas du tout sur... En tout cas, cette course est terminée. Bah la prochaine... Je crois que je vais rester sur mon Sea Shark parce que la prochaine... Elle est là. Voilà. Mais ce sera pour une prochaine vidéo, bien sûr. Allez, c'était Falcor. Merci à vous, des bisous.